Bonjour les amis. Bonjour amis francophones. Je suis moi-même francophone et francophile et francophage. Donc donc aujourd'hui c'est le stream Console Mania. On a vendu notre âme. On essaye. Si on peut le dire, hein. J'ai hésité à le faire sur Gaming. Hein. Je me suis dit, tiens, ce serait pas mal, tu vois. Tu fais un stream pour l'autre chaîne, mais sur la chaîne de l'autre, tu vois. C'est, enfin, bon, bref. Voilà. Donc aujourd'hui, Mega Drive. Donc qui dit Mega Drive dit manette PlayStation 2 et adaptateur. Donc bien sûr c'est sur émulateur. Le jeu c'est Relo to the Rescue. Alors que dire, je ne sais pas. Que c'est le jeu qui a les meilleures musiques du monde, ça c'est sûr. Que qui sortit en 92, figure-toi. Développé par Vector Dean, selon mes petites notes très préparées et édité par Electronic Arts. D'ailleurs, Vector Dean. Ils ont pas fait beaucoup de jeux. Ils ont fait Rollo, ils ont fait les James Bond, je crois. James Bond, des jeux maléfiques. Mais Rollo, c'est leur chef-d'œuvre. Hein. Cherchez pas. Les musiques, tout. Tout est magnifique, en fait, dans ce jeu. Alors, c'est un jeu très cruel, par contre. Donc, alors, on joue un éléphant qui trompe énormément. Fallait la faire. Je suis désolé, fallait la faire. Voilà, donc alors comme vous pouvez le voir là, c'est la démo, hein, la démo qui tourne dans le magasin, qui donne envie d'acheter le jeu. Voilà, on peut jouer plusieurs. En fait, il faut tuer au début de chaque stage, il faut tuer le monsieur vert qui cache la clé dans son chapeau. Donc on lui saute dessus, on récupère la clé, on libère ses amis. Chaque ami, comme on peut le voir, a des pouvoirs différents. Genre le castor il peut aller dans l'eau puisqu'il a une bouée, hein, pas parce qu'il est castor, hein, parce qu'il a une bouée. L'écureuil peut grimper aux arbres, le lapin saute haut comme tous les lapins. La taupe en galigue, la taupe FR. Elle peut faire quoi? Je sais plus, elle peut creuser, je crois, la petite pelle elle creuse. Voilà, et en fait, il faut avancer dans les niveaux en utilisant chaque spécificité de chaque perso. Ce qui ferait un peu penser à Lost Viking, qui est sorti bien après, qui a été copié, je tiens à le dire. Et que tout le monde dit, ah, Lost Viking, c'est bien. Non, c'est Rollo qui a tout lancé. Enfin, bref. Ça me met hors de moi, ce genre de truc. Non, mais je comprends, moi. Tu comprends? Ben, j'aurais pu choisir d'autres jeux. Non, ça c'est le CPU qui joue toujours. Genre, j'aurais pu choisir Quackshot même, qui est un chef-d'œuvre aussi. Mais à la limite, je pense qu'il est peut-être un peu trop facile. J'ai hésité aussi à prendre Ren and Stimpy. Pour ceux qui connaissent Ren and Stimpy, jeu infaisable, hein, jeu interminable. Donc je pense que j'ai longtemps hésité à faire Ren and Stimpy. Mais bon, peut-être plus tard. Shadow Dancer, Aladdin, enfin tout ça, tous ces jeux magnifiques, mais ils sont trop magnifiques en fait. Et Ren et Stimpy, il était bien crade et bien dur. Il y a Boogerman aussi, Boogerman qui est bien dégueulasse. Mais je sais pas, je fais Rollo. Alors j'appuie sur Start, hein, au bout d'un moment, faut appuyer quand même. Donc si j'appuie là, à mon avis, ça va tout biaiser. Voilà, c'est bien ce qui se passe. Donc faut que je recentre le débat. Voilà, magnifique. Là, c'est bien. Ouais, là, c'est bien. Hop, magnifique, c'est beau. Ah, il te manque un chrono du speedrunner. Ouais, mais là, on va pas faire de performance, alors ça sert à rien. Je pense. Alors, j'appuie sur Start. Non, c'est pas moi qui joue, toujours. D'accord. Ah, il y a maman qui m'appelle. Je peux pas répondre, là. Attends, Frédéric, lui, me regarde. Putain, mais comment je fais, là? Il faut que je fasse ça. En fait, d'accord, si je clique sur la... Attendez, je vais faire une option dans le truc qui permet de... D'optionner. Ouais, de, tu sais, genre, loquer la taille de la... De la fenêtre, histoire que ça fasse pas... Bon, ouais. Bon, bah, je trouverai jamais.
Allez hop. Starts. C'est party. Alors est-ce que le jeu du le son du jeu il est bien? Vous m'entendez bien tout ça? Qu'on soit sûr avant que je performe. Je perds au fort. Enfin, c'est vrai que je perds très fort en général. Mais enfin, bref. Alors, on me dit fils indigne. Réponds à ta daronne. Bah ouais, mais c'est le répond. Vous croyez? Je trouve que c'était important. Attends, je vais lui envoyer un message. Répondez-moi si on entend bien le jeu et tout, si c'est fluide, si c'est beau. J'envoie un message à maman pour lui dire des bisous, tout ça. Alors, je fais un truc. Mi appel à où? Taléo. Voilà. Bisous. Le destinateur du message n'est pas valide. Ah, ma mère n'est pas valide. Mais pourquoi elle n'est pas valide, maman? Maman, valide-toi là. Voilà, c'est bon, elle est valide. Bon, elle est bon. Alors, ouais, le mec répond pas. Hein. Tu veux être déshérité? Bah, j'aimerais bien être déshérité, ça m'éviterait de payer des dettes. Faut faire une window de capture, pas un screen capture. Ouais, mais le window capture, il marche pas. Je sais pas pourquoi il marche pas. C'est la cam qui est coupée, décalée. D'accord, ok. Voilà, c'est assez beau. Voilà, merci. Ça parle de prostitution, c'est donc parfait. Allez, hop. On peut donc commencer ce stream. Donc voilà, là, on est sur la pièce. En appuyant start, on peut jouer le... Lui, là, comment ça s'appelle déjà? Un oiseau. Pour aller visiter la map, si on appuie start, on revient là. C'est sous forme de puzzle, comme on peut voir. Donc, il est super rapide. Donc ça, c'est un piège, c'est qu'ils ont mis une course, en fait, comment ça s'appelle? Oh là là, ça... À l'éléphant. Oh, ça va pas être possible, là. Il faut que je refasse les boutons, les amis. Parce qu'ils m'ont mis la course sur carré et le saut sur croix, ça va être impossible à jouer. Donc, je disais, le piège dans ce jeu... C'est qu'il faut surtout pas courir en fait. Et je vais m'expliquer. Aussitôt que je refais les tombouses. Hop. Parce qu'il y a une sorte. Comment on pourrait dire. D'inertie. D'omarcie. Hop. Ok. Et voilà. Et ça a tout biaisé, bien évidemment. Donc je refais. Hop, purée, c'est dingue, ça, même quand on travaille proprement, ça fait toujours du caca en bois. Voilà. Alors, en gros, vous avez... Là, il marche. Et si on appuie sur le A, il peut courir. Et il a saut. Donc, il y a course et saut. Et après, le troisième bouton sert pour certaines actions avec certaines bestioles. Quand on a des objets ou des trucs, enfin, c'est le bouton action, quoi. Mais oui, il faut jamais courir parce qu'en fait, vous voyez que... Ah, il y a toujours une petite inertie avant qu'il s'arrête. Et ça, c'est ça qui va poser... qui a posé des problèmes. Ah ouais, mais il est super rapide, hein, il est vif. En fait, comme c'est un petit éléphant, un éléphanto... Bah oui, parce qu'il faut rappeler l'histoire. C'est un éléphanto, un enfant. Donc, en fait, il a le meilleur des deux mondes. Il est vif, rapide, et il est balèze parce qu'il est éléphant, tu vois. C'est l'éléphant petit. Donc là faut tuer le castor qui nous jette des scies. Très bien. Enfin non c'est des tronçonneuses. Voilà donc lui c'est l'ennemi voilà qui revient toujours. Vous pouvez voir dans son chapeau il a une clé. Voilà donc on le tue. On a la clé forcément. À les clés à l'ACMO bien évidemment. Et on libère l'ami Lapin. Donc stage vraiment ça c'est le premier stage. C'est vraiment pour découvrir le zoo. Voilà. Donc, quand on a deux lapins, on est content. Alors, on peut, par exemple, les empiler. Vous pouvez empiler vos lapins, voilà, pour tous les amateurs de la cuniculture. Et il y en a. Voilà, hop.
Donc on peut empiler les lapins ou jouer le lapin. Et là on s'amuse parce que bam, le lapin il saute super haut. Ce qui permet d'attraper les bonus. Alors toi qui as joué à James Bond, là tu reconnais. Hein, bah, c'est... Je vois que depuis tout à l'heure en fait c'est très James Bond. Bah oui c'est James Bond. Mais avec un système où on peut jouer. Pas du n'importe quoi. James Bond c'est vraiment... C'est exactement les mêmes scores. Ouais c'est les mêmes décors, c'est les mêmes tout. C'est les mêmes graphismes. Ah, il y avait un truc caché. Alors, il y avait un truc caché. Là, c'est pour voir ça. Divin, là, en jeu. Ah, le jeu, il est divin. Il y a 20 000 trucs cachés partout. Qu'il faut débloquer. Ça, c'est une vie, là, le truc jaune. Il faut que j'arrive à l'attraper. Ah, je l'ai eu. Bah non, en fait, c'est le... Si, je crois que je l'ai eu. Non, je l'ai eu. Regarde, tu vois, il y est plus, là. Il y est plus. Et je suis passé à 4 vies, tu vois. Il y a 4 x 4, là. Ouah, tu connais. Bah oui. Je connais un peu quand même, c'est mon jeu de la vie. Le curseur sur l'écran. Oh le mec. Oh ça va. Ça, là, ça là, va. C'est bon, doucement, c'est bon. Là. Oh. Faut se calmer là. Regarde ça. Putain, moi ça me bouffe ça. Là t'essayes de faire un truc propre et tout ce que le mec retient. Il y a des gens qui crèvent des bolas et lui il est là avec son curseur. Curseur sur l'écran. Sur l'écran. Ça rend fou. Voilà, donc la premier stage c'est vraiment pour se mettre à une jambe. Deuxième stage qui commence direct à sortir les embrouilles. Parce que bon, j'irai pas tester, mais regardez, là en fait il glisse. Donc c'est super relou pour s'arrêter. Oula, faut pas que je fasse le dingue. Mais s'il tombe dans l'eau, l'éléphant meurt. Faut le savoir. Alors, parce qu'un éléphant, c'est connu. Ça, ça ouais, ça nage pas trop ça bien. Ça nage pas. Putain, il faut que je ferme là derrière. Ça fait un vieux reflet tout pourri. Ouais. Sans prendre le ZF. Voilà. Là, comme ça, ça fait mieux. C'est vrai que c'est beaucoup mieux, là. On se rend pas compte. Non, ça. Ah là là. Putain, les sons, c'est quand même les meilleurs sons. Hop. My lunettes. Les lunettes de Roy, hein. Bien évidemment. Donc, alors, faut que j'aille tuer le mec qui a la clé. À l'ACMO, voilà, il est là. Il avance. Oh, le bâtard, il m'a fait une petite phase. Ah oui, eux, c'est des petits hérissons, ils sont ultra ZF. Regarde, ah putain, faut pas qu'il me baise. Il faut lui sauter 3-4 fois dessus pour le tuer, alors que c'est un petit truc de rien du tout. Parce qu'on sait un hérisson, alors que... faut sauter dessus. Ouais, il faut sauter dessus. Enfin, je crois que c'est un hérisson, je sais même pas ce que c'est. Et mais ouais, laisse tomber, l'hérisson, il est intestable. Voilà, là, je peux jouer le castor lapon, qui est hermaphrodite, forcément. Et, ah oui, et il me donnait l'aspirateur... Ah, j'aurais pas dû tuer les hérissons. Bon, à mon avis, il y en aura d'autres. Hein. Voilà. Hop. On peut d'ailleurs aller explorer un peu le décor, tiens, avec le castor. Sans risquer de perdre... Je me demande si je peux tuer les persos. Ah ouais, je peux les tuer avec le castor. Mais oh, bah, je... Il est garanti, le castor. Bah, je vais aller... Voilà, comme ça, je vais un petit peu... Ah, merde. Ah, putain. Voilà, bien, ouais, je nadège. Voilà, j'ai un peu déplié le terrain. Avec le castor lapon. Ah, en fait, il n'y a que l'éléphant qui peut taper les cages. Là, je me baigne, on peut voir que il peut s'endormir dans l'eau alors que ses pieds dépassent du bord. Hein. Mais bon, ça, c'est des petits bugs. Hein. C'est commun. Je ne peux pas te laisser dire ça. Pour moi, c'est pas un bug. Okay, d'ailleurs, je vais l'empiler. Monte-moi dessus, grand fou. Oh, il est stylé hein, quand il monte sur moi. Hop là. Ah merde, c'est vrai que je meurs. Oh putain, j'ai oublié. Eh, je suis un âne batté. Bah non, parce qu'en fait, je t'ai dit ce qui s'est passé dans mon cerveau. Oui. En fait, comme j'avais le castor avec moi, je me suis dit, je peux aller dans l'eau. Ah. Sauf qu'en fait, je jouais l'éléphant et j'avais le castor sur moi. Du coup, le castor meurt dans l'eau alors qu'il est... Ça m'a fait bugger. Donc, je vais arrêter de faire empiler, déjà. Oh là là, j'ai perdu une vie bêtement. Voilà. Mais au moins, je vais laisser, là, le... Comment il s'appelle ? Le hérisson. Comme ça, vous allez voir ce qu'on peut faire. Hop là. Ah, on peut se baisser tous les deux. Sur ce redeem. Bon, ça n'a aucune utilité, par exemple. Alors, il me semble. Hein, il me semble qu'on peut aspirer le petit hérisson, là. Il est où ? Voilà. Et voilà. Et aller mourir dans l'eau avec direct... Purée, oh là là, je devrais pas te montrer les possibilités, je devrais jouer safe. Bon, on va dire qu'après, je vais recommencer hein, en mode super play, bien évidemment.
Là, c'est vraiment pour montrer les possibilités. Hein. Bien entendu, hein, ça c'est cadeau. Hein. C'est une sorte de tuto. Hein. C'est pas le vrai jeu encore. Hop. Voilà, là tu l'aspires. Et après, qu'est-ce que tu le recraches, non ? Voilà. Et je l'ai tué, après c'est noyé, d'accord. Bah, c'est un moyen plus sûr de tuer en fait, parce que... Ah oui, il faut que je vous montre aussi. Bah là, je peux le faire. Vas-y, s'il me touche, je perds un ami, mais je perds pas la guerre en fait. Je sais pas si vous avez compris. Tu vois, j'ai perdu... Non, toi tu regardais pas, bon d'accord. Bah si, je sais que si c'est un en ami fait, qui quand... se fait toucher, tu... Voilà, si toi, non, si non, quand, tu... quand les gens te suivent à la queue leu-leu... Et que tu perds une vie, c'est à lui qui meurt et pas toi. Voilà, c'est ça. Tu vois, j'ai suivi. Donc là, bien sûr, le noob, qu'est-ce qu'il ferait? Il finirait la map en allant dessus. Mais si on a récupéré, bah non, si on a récupéré Mister Nuts, c'est pas pour rien. C'est pour Nutser. Voilà. Alors c'est pour monter tout là-haut sur la montagne. D'accord. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ouh, j'ai bugué là. Attends, parce que voilà, normalement tu peux aller là, voilà. Si il je connaît, me souviens hein, bien. Connaît, hein. Hop là. Hop, hop. Et après, ah mais merde, je suis biaisé là, je peux pas remonter. Bah si, tu remontes à droite. Bah non, on peut pas. Oh, il doit y avoir une astuce. Oh là là, je peux pas remonter. Bon bah, voilà, on le laissera là. Petit castor. Bon bah, voilà, il est mort, claustro. J'espère qu'il est pas claustrophobe. Voilà, mais j'ai pas eu le truc, parce qu'évidemment, on peut refaire les stages qu'on a déjà fait pour débloquer des trucs. Et là, comme tu as... Ah bah non, il y a toujours lui. Mais pourquoi il est là alors que... D'accord, donc les ennemis reviennent... Même si t'as tout baisé dans même si t'as déjà tout tué, d'accord, ok. Même si t'as déjà, même si tu libères le, enfin t'as compris. Hop, hop, voilà. Alors il faut que je prenne lui. Et ah oui, le lapin, oui, c'est ça que je voulais montrer en fait. Bon après je vais recommencer parce que j'ai déjà perdu trop de vie, je pourrais pas finir le Euge si dans ces conditions atmosphériques. Alors là, évidemment, le lapin peut toujours aller chercher les points là-haut, hein, parce qu'il saute super haut. Voilà. Alors là, faut faire gaffe. Lui, il doit mourir dans l'eau aussi, hein, forcément. Un lapin dans l'eau, on n'en a jamais vu. T'as déjà eu un lapin dans l'eau, toi ? Ouais, non. Hop. Ah ! Ah, bah voilà, il est mort. Très bien. Donc, déjà, je pourrais pas montrer ce que je voulais montrer. Mais enfin, bref. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre lui. Voilà, c'est ça que je voulais montrer, en fait. Hop. C'est que il y a des pièces de puzzle cachées. Et là, il y en a une. Voilà. Ah, là, on l'a vu. Il faut que j'essaie de l'attraper. Donc, bien sûr, la première fois que j'y ai joué, je l'ai vu en sautant avec le... Voilà, là, je l'ai eu. Je l'ai vu en sautant avec le lapin, mais on pouvait pas l'attraper. Et en fait, l'astuce, c'est qu'il faut prendre l'écureuil. Et voilà, ça a débloqué une nouvelle portion. Qui dit nouvelle portion ? Nouvelle portion. Voilà. Des, qui dit pièce puzzle cachée dit nouveaux amis à délivrer, ouais. Du cirque. Ah oui, parce que ça, fallait que je raconte l'histoire. Putain. En fait, l'histoire du jeu, hein, c'est le cirque qui sont des méchants, hein, contrairement à ce qu'on vous fait croire. Non, c'est moi je le savais. Hein. Si ils sont méchants. Ben, bien sûr qu'ils sont méchants. Et en fait, ils ont capturé la mère de Rollo, qui est donc l'éléphant. Qui est donc une maman éléphant. Et lui, Rollo, ce qu'il doit faire, c'est aller attaquer les gens du cirque pour délivrer sa maman. Et en chemin, bien sûr, essayer de sauver le maximum d'amis dans les cages. Enfermé du cirque. Voilà, enfermé du cirque. Bien sûr, ce qui nous donne deux fins, d'ailleurs. Deux fins très cruelles. Une fin avec... Je spoil pas, d'accord. Je spoil pas, c'est vrai, faut pas spoiler. Est-ce que tu vas le finir ? Bah, je vais le finir, bah, bien entendu. Tu spoil pas, s'il te plaît. Ah, ils disent le nombre d'ennemis, le nombre d'amis à délivrer en début de stage. Enfin, je crois avoir vu ça. Si je fais ça. Ah non, là, je peux pas revenir. Ah, si, je peux revenir. À tout moment, on peut revenir, d'accord. Ah, petite astuce du cactus, alors. Tu vois que tu vas mourir, t'appuies start, tu reviens sur la map. Tu connais. Bien mal acquis, ne profite jamais. Tu vois, là, ils disent qu'il y a un castor à délivrer au début du match, au début du truc. Ah, purée. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, Returnals. Ah, no!
Je sais même pas pourquoi, c'est même pas là qu'il faut aller, mais je sais pas, j'ai envie d'explorer. Qu'est-ce que tu vas faire, Renoir? Oh purée, mais c'est ça, mais il glisse à chaque fois, voilà. Bon, purée, mais c'est le lui, mais qu'est-ce qu'il peut glisser, hein? Je sais pas, on dirait qu'il a de l'huile sur ses patounes. Du coup, il fait que de glisser. Oh là là, non, je te permets pas quand même. Ah, excuse-moi, c'est relou. Ah, il y a les machins. Ah, voilà, il est là, lui. Tac, hop. Je vais même pas les tester, eux. Ah, quoi que je devrais les tuer, sinon après je vais me prendre les pattes dedans avec le. Pff, c'est relou. Oh là là, bah voilà, bah j'ai perdu l'ami chocolat. Purée. Alors, ça, c'est un champignon téléporteur. Bon, évidemment, comme j'ai plus le lapin, ben, c'est bien. Alors là, il y a des trucs cachés, mais j'ai jamais réussi. Il y a des trucs, en... je sais pas. Enfin, en fait, j'avais dosé le jeu, je l'avais fait sur PSP, avec des save states, hein, je tiens à le dire. Parce que c'est mon jeu de la vie, alors je m'étais fait un kiff. Je l'avais fini en save state, parce que... Oui, ah oui, ce qui est magnifique aussi dans ce genre de jeu... C'est que il est super long, mais à l'époque il n'y avait pas de sauvegarde, ni de password, ni rien. Tu finis le jeu straight to the bank, nigga, ou tu le finis pas. Donc une coupure de courant, un truc, pas de sauvegarde, ben c'est baisé. Il faut, ah là, bon, très bien. Donc je pense que je vais recommencer le jeu, hein, ça va être plus simple. Là maintenant qu'on a, on a bien toutes les bases, hein, du donné du problème. Voilà, hein, je vais relancer le jeu et on va se le faire à la flamme bien moyenâgeuse. Voilà, je relance. Ce coup-ci, c'est pour de la vraie, hein, maintenant que on connaît l'histoire, on a vu le système et tout, c'est bon. Là, c'est pour de la vraie. Il y a même pas d'option, il y a rien, c'est t'appuies start, tu joues, hein, il y a même pas d'option, rien. Bon, allez, là, c'est pour de la vraie. Donc là, je ne vais plus jamais courir, hein, déjà. Parce que quand vous courez, déjà que l'inertie est grande pour réceptionner ces sauts. Alors quand tu cours, laisse ton ebb. Allez, meurs. Hop, je vais quand même aller chercher les bonus, hein, parce que je suis comme ça, moi. Ouais, je bonus, moi. Putain, c'est les meilleures musiques. Ce redeem. Je pense que c'est Tyrone Donny qui a fait les sons. Tu sais qui Tyrone Donny, bien évidemment. Bien sûr. C'était le. Le mec là, Tyrone. Mais non, Tyrone Donny, c'est le. C'est ton père. Mais non, c'est le clavier. Le claviériste de Bob Marley. Ah, bah oui, mais bah si, oui. Si je le sais pas, on fait comment? En même temps, un clavier... Bah oui, c'est un mec qui fait du clavier. Le pianiste... Moi aussi, je fais du clavier chez moi. Pianiste de Bob Marley. Hein. Pianiste de reggae, hein, le mec, il a appuyé sur deux touches toute sa vie. C'est bon, moi aussi, je sais le faire. J'ai connu les mauvaises langues comme ouais, ça. C'est magnifique. Bah oui, machin, en reggae, tu fais dub, et c'est bon. Ça, hein, c'est... T'es quoi de tir? Il a dû jouer sur 4 touches, quoi, toute sa vie. Hop. Non, j'aime pas ce qu'on dit sur ce chat. Genre, le caster est vraiment proche de l'éléphant. Ouf. Genre, ça dit ça? Ouais, genre, ça veut dire... C'est insulter l'éléphant, moi, je trouve. Puis je le trouve mignon, quand même. C'est vrai. L'éléphant, il est mignon, hein, comparé à moi. Attention, fils de stup. Voilà. Hop. Mon gars sûr, le castor. Oh là 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 là, j'ai raté. Oh là là, ma bedaine. Tu vas l'avoir. Bien sûr que je vais l'avoir. Hop là, je suis. Mais il a une bouée en guise de ventre. Il a une bouée sur son ventre. D'accord. Oh là là, mais direct il s'endort. Un hein. Quel flemmard, hein, celui-là. Ah, oula, ça sent pas la gagne ça. Bon, je vais aller déblayer le terrain. Ouf. Ah. Tac. Oh, les deux d'un coup. Une pierre, deux oiseaux. Tu connais ça, une pierre, deux oiseaux? Bien sûr. C'est comme ça qu'ils disent une pierre, deux coups, les Anglais. C'est magnifique. Ouais, one rocks, two birds.
c'est ça qu'ils disent. Tu vois, on apprend des choses quand même. Alors que nous, on dit une pierre deux coups. Et une pierre deux coups, qu'est-ce que c'est finalement, si ce n'est un pendentif? Hop. Voilà, donc là je suis...